Et salut tout le monde, on se retrouve dans cette série bataille sur Houghton Park en GT4. Je te rappelle rapidement le principe, c'est un court extrait d'une bagarre, hein, c'est pas toute la course en entier, donc ça va durer que quelques tours. En général, soit j'essaie de prendre la place de quelqu'un, soit j'essaie de défendre ma position contre quelqu'un qui essaie de me la piquer. Des fois je me fais battre, hein, ça arrive aussi. Et donc il y a de l'action, hein, clairement c'est de l'action du début à la fin. Là, tu vas voir que c'est les deux en même temps, c'est-à-dire que j'essaye de prendre une place et on essaie de prendre la mienne, donc c'est un petit peu la bagarre, on est trois dans cette histoire. Je te présente les protagonistes. Donc moi, je suis en BMW GT4 M4 et je suis le numéro 4, il n'y a que des 4. Je suis P8, non P9 au départ de la course. Et devant moi, j'ai une McLaren 570S conduite par Flemming Jensen, le numéro 14. Il est scandinave, il a été rapide pendant les qualifs, mais il est un peu moins rapide en course, il va faire des bêtises. Je vais essayer d'en profiter, mais il défend sa position, il nous fait perdre du temps. Et derrière moi, dans sa Mercedes AMG GT4, j'ai Nathan During, un Américain, c'est le numéro 6. Et lui, il s'impatiente, hein, il s'impatiente de nous voir perdre du temps tous les deux, et il se dit, mais ça serait pas mal que j'en profite, que je largue ces gens-là. Et donc moi, je suis au milieu de ces deux-là. Donc tu vas avoir droit un petit peu à tout, à du bump. Donc derrière, il va me pousser un petit peu en Mercedes, toujours de façon très réglementaire, mais il va me mettre la pression, il va me faire sentir qu'il est présent. On va avoir du three-wide, on va avoir du portière contre la McLaren, toujours de façon réglementaire, hein, ça va pas cartonner, on va pas se foutre au tas, mais ça va être tendu. Et puis je t'en dis pas plus. Écoute, on y va, accroche ta ceinture, c'est parti.